À peine arrivé, déjà adopté. En 3 matchs et 3 victoires sans aucun but encaissé, Oscar Garcia a gagné le cœur des Verts et provoque de nouvelles envies. Écoutez cette supportrice. Faites-le pleurer Neymar, 2-0. Faire pleurer Neymar, faut-il vraiment y croire? Il faudra arrêter Neymar, Cavani, Di Maria, beaucoup, beaucoup de joueurs. C'est vrai que nous avons le même nombre de points, mais nous ne pouvons pas nous comparer. Paris, c'est le grand favori du championnat. Mais on peut rivaliser sur un match, mais pas sur une saison. Aujourd'hui, ce n'est pas d'une saison, pas encore, dont il est question, mais d'un match contre des Parisiens. C'est plutôt excitant de jouer contre eux, de se mesurer à eux, même si on sait que c'est des soirées qui ne sont pas forcément évidentes en général. Mais on ne sait jamais, on va essayer de préparer quelque chose pour les contrarier. Et puis on verra ce qui se passera. Quelque chose, mais quelle chose? J'espère qu'on va essayer de jouer le match nul. Je pense qu'ils vont essayer de jouer la défense. Et on va peut-être partir sur contre-attaque et essayer de marquer. Je ne pense pas que Garcia va jouer la défense. Hein. Ce n'est pas son habitude de jeu. Il va y aller en essayant de marquer des buts. Donc moi, je ne pense pas qu'il joue la défense. Il va chercher les 3 points là-bas. La méthode Garcia, c'est la possession du ballon et l'attaque. Ça a marché contre Nice, Caen et Amiens. À Paris, c'est à voir, vendredi soir.